Et ça, c'est la préparation de la dalle. Vous voyez, un côté, c'est la dalle pleine. L'autre côté, ce sont les outils. Et les électriciens sont en train de passer le gaine. Comme vous le voyez, ici, c'est le ferraillage. Ici, là, c'est double nappe. Double nappe, donc ça veut dire qu'il y a d'abord la première nappe. Et la deuxième nappe est au-dessus, comme vous le voyez. Vous voyez. Ici, là. Vous voyez les poutres. Là, ce sont les poutres pour renforcer la peine. Donc, ça veut dire pourquoi. La poutre, là, pour de la solidité à la dalle, pour porter certaines charges. Comme vous le voyez, regardez, les gars sont en train de tisser, donc ils sont en train de mettre le fil d'attache pour attacher le fer pour que le fer ne bouge pas. Ici là, c'est la dalle en outil. Comme vous voyez, la dalle en outil, on pose les nervis, on met les outils, après on met les fers de 6. Ici là c'est la plomberie. Ici là le genre de la plomberie se passe entre la dalle. La plomberie. La plomberie. Ici là c'est la dalle pleine. Vous le voyez. Plomberie. C'est les gars sont en train de préparer la machine, le coulage, le déroulage. Imagine alors que c'est à la mode. Mais tu sais ça me dit quoi? Tu sais que tu me donnes. Non, ça fait 1000 francs. Et dois m'amener quand j'ai m'amener 500, tu dois essayer de laver 1000 francs. Et toi tu fais un coulage sur mon tronc. Donc je suis avec 500. Si c'est la dalle pleine, si c'est la véranda quoi. C'est la véranda. Ici c'est un porte-à-faux, une longue portée. On a renforcé avec les barres de 16 pour que ça soit pour que la poutre puisse porter le porte-à-faux. Vous voyez la dalle pleine est coûteuse que la dalle en usine. En vrai, c'est coûteux. Si les gars sont en train de passer encore les gars. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, likez, partagez. Si vous avez besoin de ce genre de service, dans sa musique, on vous accompagne dans vos différents travaux de construction. Du début jusqu'à la fin, clairement. Et contactez-nous. Nous, vous-même, vous le voyez dans la vidéo, notre efficacité, on ne parle pas trop.